toujours ce principe des ateliers. Ce qui est vraiment intéressant là-dessus, c'est qu'en fait, on va aller à chaque fois à la rencontre d'un informateur de l'école du vin et qui va nous enseigner l'atelier assemblage, par exemple, comment on va faire pour mettre du 80% de Cabernet Sauvignon avec du 20% de Merlot. Alors, le passeport est très intéressant parce que il va nous permettre à chaque fois de pouvoir tamponner un atelier et de pouvoir systématiquement eh bien, présenter toute la diversité des vins de Bordeaux. Ah, j'ai vendu. Et puis avec mon atelier, par exemple, on va apprendre la diversité donc, des arômes contenus dans les cépages des vins de Bordeaux. Ou encore ben, le côté test, effectivement, que les hôtesses vont faire, ce petit QCM, le petit quiz que l'on va avoir. Et puis on va terminer également par une partie photomaton, et c'est ce qu'on voulait aussi présenter ce soir. Effectivement, je suis allé à Bordeaux, j'ai découvert plein de choses comme ça. Ouais. Bordeaux, c'était une belle expérience pour moi. C'est bien fait, c'est bien conçu, les vins sont bons, tout va bien. Ah, il offre Bordeaux alors. J'aime la terre et la vigne. Et en plus le partage, la convivialité, la discussion, énormément de choses et le mystère du vin.